Beaucoup de femmes jolies, jeunes ou un peu moins jeunes, sur la croisette. Beaucoup de femmes sur les écrans du festival. Un jury que présidait Ingrid Bergman. Un film d'Igmar Bergman avec quatre très grandes comédiennes. C'était Cannes 1973 où, pour la première fois depuis longtemps, les plus beaux rôles ont été des rôles de femmes, renouant ainsi avec la tradition des grandes stars. L'événement, ce fut cri et chuchotement, peut-être le plus grand film d'Igmar Bergman. De façon très exceptionnelle, le célèbre metteur en scène suédois s'est prêté, entouré de ses interprètes, au rituel de la conférence de presse. J'aime beaucoup travailler avec les femmes, j'aime beaucoup écrire les rôles pour les femmes. Alors peut-être pour cette raison-là, les personnages de femmes dans mes films sont plus nuancés, il y a plus ce qui se passe autour d'elles. Mais je ne crois pas qu'elles sont plus près de la vie. J'ai pas d'idée romantique comme ça. Autrefois, il y a 10 ans, il y a 20 ans, oui, je croyais que les femmes étaient beaucoup plus près à la vie. Puis-je vous demander de m'écouter un instant, rien qu'un moment. Je voudrais seulement vous dire que je fais un film pour vous. Seulement pour vous, peut-être. J'ai écrit un scénario autour de quatre femmes qui se trouvent réunies pendant quelques jours dans des circonstances dramatiques. J'ai demandé à mon ami Sven Lyquist de tenir le caméra comme d'habitude. J'ai demandé au reste de mon équipe de venir une fois de plus à mon aide. Nous avons découvert un vieux manoir dans un parc silencieux. Pendant 40 jours, nous avons fait un film que nous aimons. Il s'appelle « Cris et chuchotements ». J'ai demandé à quatre merveilleuses comédiennes, qui sont toutes mes amies, de jouer les quatre rôles. Harriet Anderson. Je pense que le problème dans « Cris et chuchotements », ce n'est pas celui de l'homme ou de la femme. Je pense que c'est davantage un film sur l'être humain. D'ailleurs, il a dit lui-même qu'il aurait pu aussi bien prendre quatre hommes pour jouer les rôles. Ce n'est pas un problème de sexe, de différence entre les sexes. Il ne s'agit que de l'être humain. Ingrid Tulin. Il trouve que les femmes, les actrices sont plus facile de travailler avec les actrices qu'avec les acteurs parce que ils sont pas de névrose envers son métier, moins névrose vers son métier que les acteurs. Mais aussi, je crois qu'il y a plus de ça. Il a toujours été assez intéressé du monde des femmes. Il a trouvé peut-être pour ce film que les émotions, les femmes appelées des émotions, et même soumises, suppressées, comment ça s'appelle, sous pression. Comprimées. Comprimées, oui. Surtout dans ce film, où il y a la difficulté de communication qui est en cause aussi, à part problème des femmes, c'est la difficulté de communication des hommes. Ça veut dire hommes et femmes, toujours. C'est pas seulement une histoire des femmes, non? Comment cela se passe avec Ingmar Bergman? Il vous dit, j'aimerais t'avoir dans mon prochain film, lis le scénario et décide si tu le fais. Il vous dit, j'aimerais t'avoir dans mon prochain film, ou il vous dit, tu fais mon prochain film? Non. Pour crier chuchotement, il est venu me voir au théâtre où je travaillais. Il m'a dit, tu vas faire mon prochain film. J'ai dit, oh bon, c'est tout. Il vous a dit, tu vas faire mon prochain film, sans même vous raconter l'histoire?
Non, bien sûr, il a commencé par me raconter l'histoire. Si ça ne m'avait pas plu, j'aurais dit non. Mais je trouve qu'il écrit de très bonnes histoires. Ça vous est arrivé de lui dire non? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Parce qu'il ne m'a jamais proposé un mauvais scénario. Pour écrire chuchotement, il m'a dit presque non avant. Est-ce que je peux penser à toi quand j'ai créé mon film? J'ai dit oui, oui, oui. Et il a dit certaines choses. Et puis, c'est passé de moi. J'étais en Suède. Il a dit, je suis en train de le faire. Et j'ai dit, j'espère que je suis libre. Il m'a dit, quand? Et puis, c'est fait. Mais j'ai dit non une fois, pendant une année, parce que c'était un petit rôle. Et j'ai dû être tout à fait nue et morte. Et j'ai dit, je ne vais pas être nue. Et je ne vais surtout pas être morte en même temps que je suis nue. Alors j'ai dit non, parce que c'est un petit rôle. J'aime pas les petits rôles. Je veux les rôles où j'ai un grand plan tout le temps. Comme en communion, là, c'était 6 minutes ou quelque chose. Alors je dis, je ne trouve pas quelqu'un d'autre. Je dis, comment tu ne trouves pas quelqu'un d'autre comme moi? Non, non. Alors j'étais un peu flattée, mais j'ai dit non, je ne vais pas. Et finalement, je l'ai fait. C'était l'heure du loup. Donc, vous vous gardez le droit de dire oui, oui ou non? Oui, oui. Il n'est pas mon petit dictateur, non? Oh, God heavens. Dieu nous préserve. C'est Ingmar Bergman qui le raconte. Vous lui avez dit un jour, quand tu me parles, je ne comprends absolument pas ce que tu veux dire. Par contre, lorsque tu ne parles pas, je sais admirablement ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai. J'ai dit pendant le tournage des les communions. Et on est arrivé au milieu du film et j'ai dû dire, c'est une ligne comme ça, Thomas, je te plains, je me sens très mal pour toi. Et elle dit ça comme une femme qui se part du cœur. C'est seulement elle le dit pour faire un effet. Et moi, j'ai pensé que je jouais le rôle comme j'ai vraiment beaucoup aimé cet homme. Alors, je ne pouvais pas plus le faire. On a discuté. À demi de film, il m'a expliqué tout le film. Alors, j'ai dit, je n'ai jamais pensé comme ça. Ne me parle pas parce que c'était tellement beau et maintenant, je ne comprends plus rien. Mais il le dit souvent, il a aussi le dit pendant le tournage de ce film, écrit et chuchotement. Il le dit souvent, il dit, je ne parle pas parce que tu me dis, il ne me dit rien parce que je te comprends tout le temps. Quand tu, ce que tu veux, mais si tu me le dis, je ne comprends plus. Il fait moi, mais je ne peux pas le faire, il le fait très bien. Il ne dit pas grand-chose. Il donne beaucoup de liberté. Vous voyez, je déteste cette sorte de metteur en scène qui s'empare de vous, qui vous manipule sur le plateau. Je ne peux pas travailler comme ça, mais lui, il ne le fait pas. Il est vraiment très, très bien. Harriet Anderson, Ingrid Tulin, Carly Sylvan et Liv Ullmann. Si vous me demandez, est-ce que c'est un bon ou un mauvais film, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est un film qui est cher à mon cœur. Ingrid et Ingmar. Il a fallu le Festival de Cannes pour que les deux Bergman se retrouvent. Ils n'avaient jamais travaillé ensemble. Il y a 10 ans, nous avons parlé de ça. J'ai vu Ingmar Bergman pour la première fois. Et nous avons commencé tout de suite à parler des sujets, à faire quelque chose. Et j'étais très contente parce que je voudrais bien tourner avec lui. Parce qu'il a quelque chose c'est de magie. Et c'est un grand artiste. Et je sais que tout le monde veut travailler avec lui. Mais il est devenu directeur pour le Théâtre Royal à Stockholm à ce moment et il a arrêté de faire du cinéma. J'étais très triste pour ça et je n'ai pas vu Ingmar Bergman jusqu'à l'autre jour quand nous sommes ici ensemble pour son dernier film.
Est-ce que lorsque vous êtes vu, il y a eu une conversation pour un film éventuel, non? Non, on a parlé de son film, qui a eu un grand succès ici. What stocks? The Melstoire. The sky is all shadowed with blackness. Oh, yeah, there's no hope, no help, you know. Wake up, Jesus. Américaine de François Truffaut. Le métier du cinéma, l'amour du cinéma. Je ne pense pas que le film dise franchement toute la vérité sur le cinéma, probablement parce que c'est difficile, mais je crois que le film ne dit que des choses vraies. Simplement, évidemment, pas tout, c'est-à-dire que depuis que le film est fini, je pense constamment à des choses qui ne sont malheureusement pas dans le film. Alors je sais que j'ai la matière d'un autre film, mais on ne peut pas faire deux films sur un sujet comme ça, s'y rapprocher. Mais je crois que dans les années à venir, on va voir dans les films assez souvent les caméras, les metteurs en scène, parce que ça fait partie de la vie d'aujourd'hui. On a parlé de faire le film sur le cinéma. Je crois que Truffaut est une personne qui l'a bien fait. Il y a beaucoup d'exagération dans le cinéma. Il aurait pu être très exagéré. Il a choisi un côté plutôt de garder le charme. C'est pas une démystification, je trouve. Il a choisi Valentina Cortese, qui déjà a une personnalité très forte et qui, dans le rôle de Séverine, a autant de mystère, que autant de fantaisie que le rôle qu'elle joue. Enfin, c'est plus même, beaucoup plus. Séverine est au courant que je suis son partenaire? Oui, bien sûr. Elle était ravie. Ah oui? Tant mieux. Bah, allez donc lui dire bonjour. Je ne demande pas mieux, moi, où est sa loge? Ah, voilà. Ah, merci. Vous avez vu le film? Non. Moi, je me déteste de me voir. Ce soir, pour moi, c'est un supplice, comme on dit. Un supplice, oui. Moi, je me déteste de me voir dans le screen. Hein? C'est vrai. Amore! Alessandro! Oh, my darling, my love! Oh, come, je suis contente de te voir! Divinamente bene.
conservati così bene. Ecco, je suis contente de travailler avec toi. Et moi. Tu m'appelles? Tu m'appelles la première fois qu'on s'est vu à Hollywood. C'est toi, Chada. Jamais prononce une date, jamais un chiffre, autrement, je dis à tout le monde que tu as fait la plastique. Oui, pas encore, mais bientôt. Tu sais que pour toi, seulement pour toi, je serais capable de me remettre à faire la cuisine. Ouais. Mais quand tu me risottes la milanaise comme tu piacevas, tu l'aimais beaucoup, hein? Eh ben justement, je ne les aime plus. Vous voyez, il y a des acteurs pour qui j'ai écrit, c'est-à-dire je savais dès le début que j'aurais Jean-Pierre Léo, je savais dès le début que j'aurais Jacqueline Bisset, parce que je l'avais vu dans des films américains, Jean-Pierre Léo, j'écrivais pour lui. Ça, c'était les acteurs de départ, et Jean-Pierre Aumont aussi. Valentina Cortés, je n'étais pas fixé absolument sur la femme que je prendrais dans le film. Donc j'ai tenu compte beaucoup de ses réactions. C'est une femme qui a une invention formidable, et c'est une invention qui est très belle parce que c'est une invention qui est généreuse. C'est pas une invention égoïste, vous voyez, pour que le personnage soit prestigieux. Elle a une invention, au contraire, très satirique, très tournée contre elle-même. Une invention baroque, disons. Moustache ou pas moustache, il joue toujours le rôle de séducteur. Et moi, regarde-moi, on m'a collé l'étiquette de la femme délaissée, désespérée, tragique, emmerdant, regarde. Mais vous êtes belle. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Aide-moi à répéter la scène d'aujourd'hui. Je ne me le rappelle plus. Je ne sais pas pourquoi. Ces derniers temps, ma mémoire est allée se faire foutre. On ne pense jamais comme on joue un film. Comme si dit, le climat, l'atmosphère, et ce qu'un acteur, il passe pendant, pour exemple, dans cette scène, qu'il Pamela, il s'oublie son ligne. C'est terrible, mais quelquefois, les acteurs, les actrices, on oublie les lignes. Et c'est une tragédie, quelquefois, vous savez. C'est horrible, parce que quelquefois, la mémoire, il te fait des choses comme ça. Alors, il y a un drame, il y a la tragédie d'un acteur, d'une actrice. Et je pense que le public, il aimerait beaucoup de voir des petites choses comme ça. Les petits secrets, les petites douleurs, les petites ansias. Comment on dit ansia? Ansia. Angoisse. Angoisse. On dirait que... Que tu la détestes, que... Non, non, ça va aller très bien, Séverine. Ça va aller, vous savez. Ça va aller, on va arrêter un petit peu, ça va aller. Vous ne craignez pas qu'en découvrant que derrière ces êtres un peu mythologiques que sont les stars, il y a des hommes et des femmes avec leurs problèmes, leurs angoisses, ça soit un petit peu une démythification? Certes, démythification, exactement. Si va a scavare dentro, si va in profondità, certo. Ma è giusto anche questo, pourquoi non? C'est beau, c'est humain, n'est-ce pas? Je pense, non? À un moment dans le film, le producteur vous dit « Ce qu'on ne voit jamais à la télévision, c'est que la journée d'une actrice, ça commence à 6h le matin et ça se termine au mieux à 9h le soir. » Moi, je crois que, pour une fois, je crois que c'est très bien. Parce que, comme actrice, je sais ce que je fais, je sais que on travaille à des longues heures. C'est pas que c'est vraiment le travail dur, physique, mais ça, c'est très fatigant mentalement. Il y a des gens qui pensent que quand les gens font un film, ils se marrent tout le temps, que c'est pas du travail, qu'ils sont trop bien payés, qu'ils font que des cocktails, qu'ils font que coucher avec tout le monde, comme la femme dit à la fin, que c'est ça. Et en fait, c'est un travail sérieux, et on peut pas le faire à moitié. J'ai une expérience, si vous voulez, de tournage avec des comédiennes anglaises, et Jacqueline Bisset, dans le film, est un peu une synthèse des Anglaises avec qui j'ai tourné, vous voyez, principalement les deux filles des deux Anglaises et le continent, et Julie Christie, que j'ai eue sur Fahrenheit 451. Les actrices anglaises sont, je trouve, plus professionnelles que les Françaises, réellement, et en même temps, je trouve qu'elles ont plus de féminité que les Américaines. Je n'aurais pas aimé prendre une actrice américaine pour ce rôle. Et en même temps, Jacqueline Bisset offrait l'avantage de venir d'Hollywood, donc elle amenait un peu la mythologie de Hollywood là-dedans. Et le personnage du film, le personnage de Julie Becker, il est très proche d'elle dans le côté assez brutal, assez direct et très loyal. Et quand même avec pas mal de mystère dans le visage grâce à un très beau regard, évidemment. Ah, Liliane. Maguire ! Alphonse m'a parlé. Je suis très content. Je vous fais toutes mes félicitations. Hein. Vraiment toutes mes félicitations. Félicitations. Gilbert ! Allume le central, s'il te plaît. Bernard, il faut éteindre le feu parce que ça fait de la fumée dans le décor. C'est mieux, c'est mieux. Et là, qu'est-ce que je vous avais dit ?
Lorsque Ferrand, ce metteur en scène que vous jouez, qui n'est pas tout à fait vous, dit à Jean-Pierre Léo, le cinéma, de toute façon, c'est toujours plus important que la vie. Alors là, c'est carrément un metteur en scène imaginaire ou c'est François Truffaut qui parle? Je ne sais pas, je me permets de mettre mes lunettes parce que j'ai peur, non pas de votre question, mais de soleil, je ne voudrais pas pleurer devant la télévision. Mais non, je crois qu'une phrase comme ça, une scène comme celle de qui tourne autour de « Est-ce que la vie ou plus importante, est-ce que la vie privée n'est-elle pas boiteuse pour tout le monde alors que la vie professionnelle nous apporte des grandes joies lorsqu'on fait le métier qu'on a choisi ?» Je crois que ce sont des thèmes, si vous voulez, qu'il est indispensable de brasser quand on fait un film là-dessus. Je crois que c'est pareil avec les pièces de Pirandello sur le théâtre ou encore une fois avec les pièces d'Anouilh. Je crois que c'est un peu normal de brasser ça. Moi, je n'ai pas d'opinion, si vous voulez, vraiment. J'ai voulu laisser un peu... chacun s'exprimer dans cette histoire. Ce que je crois, c'est qu'un metteur en scène ressent cela réellement, au moins pendant le tournage. C'est vrai que pendant le tournage, le film devient prioritaire et il envahit tout, et évidemment au détriment forcément de la vie privée et de la... oui, forcément, et éventuellement même de la vie familiale. Je crois qu'il voit la vie un peu comme du cinéma. Il croit que le cinéma est mieux que la vie. Et vous? Non, je ne crois pas. On ne sait jamais si nous actrices, nous jouons, récitiamo dans la vie aussi. Moi, je ne pense pas de jouer dans la vie. Moi, je suis comme je suis. Peut-être je suis très mal fait. Peut-être je suis très mal... I behave very badly, I don't know. Mais moi, je suis comme je suis. Et alors, j'ai joué ces drôles de Séverine comme je suis. Peut-être que... le monde, les gens, ils pensent que moi, je joue dans la vie. Et peut-être que je joue dans la vie, mais moi, je ne m'en accorgo. Je suis comme ça. Et alors, je ne sais pas si je joue dans la vie, si je joue dans le théâtre, je ne sais pas, mais ça, c'est moi. Mi dovete prendere come sono. Va bene, nel bene, nel male, nel brutto, nel bello. Oui, est-ce la réalité, est-ce l'illusion? Oui. C'est vous? Comme la réalité et l'illusion, non lo so. Sono io, sono fatta così. Si prende come sono. Mais ça, c'est l'histoire de la nuit américaine. Et ça, c'est l'histoire de la nuit américaine. Ça, c'est l'histoire de cette vieille gallina stanca qui vient dire les choses qu'elle a vissues dans tous ces années de travail et d'expérience. La gallina stanca, oui. Je m'appelle moi-même dans le film une vieille poule, comme si dit. La vieille gallina. Une vieille poule. La vieille poule, fatiguée, stanca, sfinita. Ça, c'est moi. Hein? Non, c'est quand même un rôle. J'ai porté toute ma expérience de ma vie d'actrice, de ma vie de femme, de ma vie. Non, non, devo dire questo. Jacqueline dice che non devo assolutamente parlare di me come una vecchia gallina stanca. Devo dire che sono una donna divina, meravigliosa, sublime, fantastica. Una scrittrice incredibile. Jérémy, d'Arthur Barron. L'histoire d'amour du festival. Le prix de la première œuvre avec Glynis O'Connor et Robbie Benson. Sarah Miles, vedette féminine de La Méprise du metteur en scène anglais Alan Bridges. Sarah Miles dans le rôle d'une jeune aristocrate provinciale. À peine sortie d'une dépression nerveuse, elle prend son chauffeur Robert Shaw pour confident. C'est le début d'un malentendu. Pour vous, La Méprise, c'est purement un film d'époque ou cela garde-t-il une signification moderne?
Eh bien, c'est un film d'époque, puisque situé en 1920, et cela traite des différences de classe de l'époque. Mais je pense, au second degré, cela pourrait se passer aujourd'hui, parce qu'il s'agit des barrières entre les gens. Le manque de communication, dans ce cas, entre deux personnes. Vous pensez que cette histoire qui se passe en 1920 serait aussi vraie aujourd'hui? Certainement. Je le sais parce qu'il y a un an et demi, nous avons eu un chauffeur qui, comment dire, m'a fait un gringue terrible. Et je me suis comportée exactement comme la jeune femme de la méprise. Ça peut arriver aujourd'hui. Ce personnage est celui d'une femme qui habite la partie ouest de l'Angleterre. Un coin qui n'a rien d'une métropole cosmopolite. Ce sont des provinciaux, en retard sur le plan social et pour tout ce qui se passe dans le monde. Elle est rétractée, en état de dépression. Elle ne peut pas parler à sa mère, elle a peur de parler à qui que ce soit. Alors elle se met à parler à cet homme qui la conduit. Parce que pour elle, il n'est qu'un uniforme, avec personne dedans. Elle pourrait parler aussi bien à un chien qui serait là. How much is involved? A lot. How much? Well, it's almost 400 pounds. What is your first name? That's better, your first name. Stephen with a B. Vous savez qu'au festival, on a dû vous en parler, il y a un prix d'interprétation féminine. Vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire, un prix d'interprétation féminine? De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites, un film de Paul Newman, qui interprète sa femme Joan Woodward, dans un rôle de névrosé. Dans le film, elle a deux filles, dont l'une est Nell Potts, à la ville, fille de Paul Newman et Joan Woodward. I'd like to speak to the principal, please. What, would you just get him off the stage? It's none of you. It's Beatrice Hunsdorfer, that's who it is. Oh, is that so? Well, you just give the principal a message for me, please. Just tell him I have a message for him. And for Mr. Goodman. And for you, whoever the hell you are. And for Miss Hanley, too. Would you just tell her I said, thank you very much for making me wish I was dead. Est-ce que ce serait pas une bonne idée que Madame Newman vous mette en scène, vous, dans son film à elle? Je ne suis pas metteur en scène. C'est ce qu'elle dit, elle. J'ai aimé faire pratiquement tous mes films. Je ne suis qu'une actrice. Je ne veux pas mettre en scène, écrire. Je ne pense plus au film quand il est fini. J'aime jouer comme d'autres aiment le chocolat. Matilda, what is she talking about? The mother's to be on the stage during the science fair. What do you mean, on the stage? Matilda, would you turn around when you talk to me, please? The science fair. I want the mothers to be on the stage. What do you mean, just the two of us on the stage? What am I going to wear on the stage? What am I going to say when I get there? You want them to laugh? Well, they laughed at me, Mama. Well, what about me? What if they laugh at me? Nobody will laugh at you. Say something simple. If you win, I'll say, I'm very proud.
And I'll say my heart is full. Et votre fille Nell, qu'a-t-elle fait de son cachet? On l'a autorisé à retirer une partie de l'argent de la banque pour l'investir en nourriture pour les pigeons, les sconces, les chiens, les furets, les chats. Cat food. Et pour construire un abri pour ses pigeons. C'est d'ailleurs la seule raison qui l'a poussé à faire le film. The seeds were exposed to various degrees of gamma rays from radiation sources in Oak Ridge. Mr. Goodman helped me paper the seeds. Their growth was plotted against time. I kept a detailed chart on the temperature of the room and weighed each plant. John. Let's not embarrass her. Matilda. My heart is full. My heart is full. Prix d'interprétation féminine à Joan Woodward dans le film...